Bonjour, Momo. Grosse bouille d'anane. Boum. C'est moi le psychopathe aujourd'hui. Qu'est-ce que... Ah, Screamer. Au secours. Oui, oui, oui. Hey. Comment allez-vous les amis? Je suis vraiment super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, on se retrouve pas pour faire un brunch. Ce serait sympa, le brunch de la Max Family. On serait un peu nombreux vu qu'on approche des 400 000. Aujourd'hui en plus on se retrouve pour Evil Nun, une nouvelle vidéo Evil Nun. Alors, il n'y a pas eu de grosse mise à jour avec le nouveau chapitre, le chapitre final, mais il y a eu une mise à jour et j'ai envie de tester plein de petites choses que vous m'avez demandé de tester. Vous allez voir ça, ça va être plutôt marrant et effrayant à la fois. Un petit point figurine, allez, c'est parti. Lois Lane, c'est la copine de Superman. Stargirl, alors je ne connaissais pas Stargirl, mais alors vraiment, celle-ci elle est magnifique, on dirait qu'elle lévite toute seule, une espèce de balai magique. Et enfin, il y a Mera, voilà, c'est Mera. On dirait Ariel, Ariel la petite sirène avec le trident, les cheveux rouge. Un peu bizarre cet angle de vue, on dirait qu'elle louche, mais c'est sympathique. Un autre petit point, j'ai reçu mon tote bag. Hey, je commande moi-même ces produits, le site ne me donne pas d'échantillons, même si ce sont mes produits. C'est le sac, vous voyez le sac avec la, le sac en toile réutilisable là, m'a frappé pour aller à la plage, faire les courses, ou juste exposer chez vous, j'aime beaucoup. Hey. Alors là encore, je ne suis pas payé par le développeur, je ne l'ai pas reçu gratuitement, je me le suis acheté moi-même, mais je l'adore, alors je vais vous en parler, c'est Devil May Cry, le steelbook qui est très joli, c'est un jeu d'action, j'adore. Contrairement à beaucoup de youtubeurs, je préfère partager les choses que j'aime plutôt que de parler des choses que je n'aime pas. Si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, ça m'inspire cette chanson. You got me dancing, crying, rolling, flying. Love, don't let me go. You got me drowning in a river, cold, burning fever. Love, don't let me go. Don't let me go. Générique. Merci à tous ceux qui nous rejoignent chaque jour, on est de plus en plus nombreux. Alors là, vraiment, vraiment, là, bientôt, dans quelques jours, on approche des 400 000. Respire, respire. Merci vraiment à tous. Si vous voulez faire partie de la Max Family, rien de plus facile. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucune notification et donc aucune vidéo. Il y en a deux par semaine, le mardi et le vendredi à 17h. Ça rime avec bonheur. Ça rime aussi avec fleurs, chaleur, chandeleur. Vous le voyez ici, la mise à jour, c'est la version 1.5.2. Ils ont ajouté le langage roumain. On va peut-être pas jouer en roumain, je ne parle pas le roumain. Correction de langage. Nouvelle torche, on va se servir de la torche. Ça fait partie des missions qu'on doit faire aujourd'hui. Contrôle du joueur a été amélioré, il y a des petits bugs qui ont été corrigés. Autre petite surprise. Alors j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors je prends mon téléphone, je lance la même psychopathe, lâche ton pouce bleu et prépare-toi. C'est toujours le truc de l'horreur, de l'angoisse, quoi, cette musique. Imaginez quelqu'un qui s'endort tous les soirs avec cette musique. Oh, je vais faire un petit dodo. Qu'est-ce que je dors bien. Psychopathe. Alors, on commence. On va jouer en facile, hein. Alors, je vais faire, parmi les choses que j'ai envie d'essayer Momo. Alors, je mets Momo. On m'avait dit que ça ferait des choses, donc on va voir. Allez, on y va. On joue, on est en facile, parce que ça nous laissera un petit peu plus de liberté pour essayer tout ce qu'on doit essayer. Non, merci, hein, on saute l'introduction, on l'a déjà vu 36 milliards de fois. Ah, easter egg, Momo. J'ai débloqué quelque chose. Alors, jour 1. Je suis Momo, et je vais être bon. D'accord. Alors, je dois quitter cette école. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, nous, on... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais ça fait flipper. Oh, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est horrible. J'ai des frissons, j'ai des... Oh, je suis angoissé. Ouh là là, on peut faire... Bah oui, mais si je fais tomber ça, ça va attirer la nonne et c'est pas ce qu'on veut. Alors, parmi les choses que j'ai envie d'essayer aujourd'hui, on m'a dit de réessayer de tirer sur la nonne avec le pistolet à chewing-gum. Sauf que bien sûr, faut aller chercher les chewing-gums. Mince. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça ici. J'ai fait du bruit. J'ai fait du bruit, elle va arriver. T'es là? Nani Nounette? Ah! Oh, pardon! Ah! J'ai fait tomber Momo! Non! Pardon! Ah! On va par là! Ouh, elle est là! Ah! Elle est là! On va aller... on va aller débloquer le truc en haut parce que... Arrête! Vite! Va-t'en! Va-t'en, va-t'en, va-t'en! C'est quoi les surprises? J'aime pas les surprises en fait! Surtout pas celle de Evil Nun! On y va! Ah! Mais on va débloquer la porte parce que je crois que les boules de chewing-gum sont quelque part en haut. Et il faut qu'on commence par débloquer la porte, quoi, par mettre le petit câble et tout. Donc on commence comme d'habitude. Tac. Ah, j'ai peur des petites surprises. Je me méfie de ce qu'il va y avoir aujourd'hui. Cuisine. Bonjour. Alors le petit câble, normalement, il est quelque part par ici. Ah bah voilà, il est là. Très sympathique. Rien de nouveau par ici, rien de nouveau. Très très bien. Allez hop. On... Mais qu'est-ce qu'il a, le rat? J'ai l'impression qu'il portait quelque chose. Ah, ah, arrête de crier, tu m'as fait peur, méchante vilaine. Ah, bon, attendez, on va aller par là. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Elle est déchaînée. Bonjour, viens par là. Et moi, je... Voilà. Reste un peu dans la cuisine. Fais-moi des crêpes. J'ai raté la fermeture de la porte. Allez, vas-y, hop là, tac. Oh,
Aïe, on va ouvrir par là-bas. Et je vais récupérer... Ouh, ça c'est ici. Alors attendez. On va débloquer d'abord la porte. Tac. Boum, blabla, boum, blabla, boum. Hop. Alors, est-ce que je peux ouvrir ça? Oui. Alors, on va enlever ceci. Tac, tac. Voilà. Donc là, on pourra aller par là-bas. Super. On va ouvrir la porte des toilettes. Enfin, la porte, la planche. La fameuse planchounette des toilettes qui se trouve, je sais jamais, ici. Ouais, on est bon, on est bon. Donc, hop, le clou. Bim. Deuxième clou. Bim. Ça, on va le laisser. La discrétion assurée. Je voulais aller chercher... Bonjour. Ça va? Attends 2 secondes, j'ai une surprise pour toi, d'accord? Fais du trampoline en attendant. Elle a rien d'autre à faire. On va aller chercher le pistolet et on va aller chercher les boules de chewing-gum, tirer sur la nonne. Ah! Y'a Momo là! Ah! Y'a Momo partout! Je me fais peur, cette tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a un bûcher maintenant. Ah! Un bâton! Et pourquoi je voudrais avoir un bâton? Je peux mettre le feu dans. Ah, j'ai créé une torche! Ouh! Attendez, je peux allumer ça? Ah non, d'accord, c'est pour se créer plusieurs tops. J'entends le Graal. Graal? Ah, il doit être dans l'armoire. Si je peux mettre le feu à la nonne, on verra plus tard. D'abord, on verra plus tard, ouais. On mettra le feu à la nonne plus tard. Ça fait un peu une phrase de psychopathe, mais... c'est comme ça. Ah, vous m'avez dit aussi qu'on pouvait brûler, apparemment, tout ce qui était en bois. Alors, est-ce que, genre, ça? Mais pourtant, c'est en bois. Ça, le tableau? Pardon. On peut brûler, Momo? Je te brûle, Momo! Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je prends ça. Je vais chercher les boules de chewing-gum. Boules de chewing-gum! Elles doivent être en haut. J'ai des petites boules de chewing-gum pour toi. Vous savez, là, la petite salounette, là, le petit dépôt. Ah! Y a pas de Momo par ici, non. Ici, vous savez. Voilà. Allez hop. Mais non, mais. Pistolet à boules de chewing-gum. Bah oui. Mais je veux des chewing-gum! Ah! Il faut que je mette dans le. Dans l'ascenseur. Ah, bah oui, mais bon, c'est-à-dire. Ah! Bonjour! Comment dire? Alors attendez, je crois que je peux. M'évader par ici, je vais m'évader en toute tranquillité. Ah, voilà! Placer le pistolet là-dedans. Tac, allez, ouvre-toi! Le mécanisme est rouillé. Ah oui, l'huile! L'huile, c'est dans la cuisine normalement, hein. C'est souvent dans la cuisine qu'on trouve de l'huile. Faire à manger, l'huile pour réparer les ascenseurs. Je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez avec votre huile, mais moi, j'en ai besoin. Elle est où? Ah oui! Il faut qu'on fasse ça aussi! Reviens! Bon, elle va revenir de toute façon. On va voir si on trouve l'huile. Ah! Wouhouhou! Laisse-moi tranquille! Ah! Mais l'huile, elle est là! Ah! Elle était juste derrière moi! J'aime vivre dangereusement. Bonjour! Attends 2 secondes, je vais mettre de l'huile dans ton ascenseur parce qu'il est cassé. Eh, hey, tu pourrais me remercier, hein! Oh, je répare son ascenseur et elle veut me frapper. Mets de l'huile. Tac. Ah, laisse-moi! Laisse-moi! Je savais plus par où passer! Je fais n'importe quoi. Je peux prendre l'extincteur. Eh! Hey! Vas-y, tiens! Mais non, mais ça fait rien! Mais j'ai raté mon pistolet pour ça! Mais tiens! Ah, c'est pour éteindre des flammes! Bon bah tiens! Oh, elle a pas aimé que je lui jette le... Attends, mon pistolet! Il est où? Il est là! Alors, je récupère le pistolet. Oh! Elle est déchaînée aujourd'hui, hein! Elle me suit pas mal, hein! Nan! Il y a la police qui vient pour toi! Allez hop, ouvre-moi ça! Ah, mais laisse-moi tranquille! Espèce de vilaine! T'es moche! Petite pouli-bouli, c'est tout ce que t'es. Parce que ça veut dire, mais je le dis quand même. Alors, elle est où? Elle est là, ok. Bon, alors on va en profiter pour jeter le pistolet. Mais j'avais ouvert. Vas-y, ouvre-moi ça, il est en cours. Mais non. Ah oui, voilà. Et je jette. Les boules de chewing-gum. Elle est vilaine. Je sais pas ce qu'elle a mangé aujourd'hui, mais elle me laisse pas tranquille. On va descendre par là, hein, tant pis. Hop. Yop la boum. Ouais. Et on va remettre ça là-bas. Et on créera un petit pistolet à boule de chewing-gum. Voilà. Allez, assemble-moi les deux, s'il te plaît. Merci. 20 secondes. Eh ben, on a que ça à faire d'attendre. Il y a la nonne psychopathe qui est là, mais c'est pas grave. Noninounette. Ah ! Ascenseur, reviens. Reviens. Voilà, il veut pas revenir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que j'attends quelque chose dans l'ascenseur? Bon, tu veux jouer au ballon, c'est ça? Bah tiens, prends-moi le ballon. Allez, joue. Mais non! Oh, elle veut pas jouer, elle fait que râler. C'est déjà revenu? Oui! Alors, attendez. Ah, non! Ah! J'étais coincé. Attends, il faut que j'ai la voie libérée pour te tirer dessus. Bah viens maintenant, t'es là. Oh! Alors ça fait quoi? Attention, ça fait toi et... Bim! Pardon, ça me fait rire, mais ça n'a rien fait. Non? T'as une boule de chewing-gum? Mais ça fait une grosse boule de non! Regardez! Grosse boule de non! Si je tire dessus, ça va changer de couleur. Non? Tu es bleu. Jaune! Orange! Rouge! Ah bah non, elle en veut plus. C'est tout? Ah! Tiens!
Bon, j'ai encore autre chose à essayer avec elle. Là-bas, dans notre chambre, on va aller chercher un autre objet. Je veux voir ce que ça fait si on peut faire exploser la nonne. Psychopathe aujourd'hui! Poupée explosive! Voilà. Il faut aller chercher de la dynamite. Il faut d'abord chercher le livre, parce que la dynamite, elle est quelque part par là-bas. Ici, y a pas de Bible. Nan, je cherche la Bible. Où tu l'as rangée? Non. Où as-tu rangé la Bible, Naninounette? Tu peux me dire, s'il te plaît, parce que tu ranges jamais tes affaires. Non, non. Ici, y a pas de Bible, alors ça doit être dans un des placards. On va aller chercher la Bible. Ah, je suis coincé derrière la porte! Même la porte est contre moi aujourd'hui. Ici, est-ce qu'il y a la Bible? Non. On va déjà jeter la poupée dans l'ascenseur, parce qu'on en a pas besoin présentement. Y a pas de Bible. Non, 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 non. Où se cache la Bible? Ah! Je fais un petit coup de... Voilà, hop là. Voilà, ça me détend un peu. Pardon, hop là. Merci. On va aller jeter la poupée et on va chercher en haut. Hein. Allez hop. Mais non, à l'intérieur. Là. Ah, elle arrive. Où est la Bible? Biblounette. Elle est là. Voilà, la Bible Definitive. Et on va passer par là, c'est un petit raccourci. Hop et là, comme ça, ensuite, on va par là. Je commence à connaître par cœur hein, les passages secrets de cette orpheline à maudit. Hop. Oh. Allez, hop. Je prends. Mais elle est où la dynamite? Mais elle était là, elle est là. J'ai eu peur. Et on va la mettre dans l'ascenseur. Si la nonne veut... Qu'est-ce que c'est? Sister Claire? Ça a changé de prof? Eh, mais ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose là-dedans maintenant. Ou alors ça change à chaque fois. Parce que la dernière fois, c'était sœur... je sais plus comment elle s'appelait. Tac, on y va. Hop, fais-moi une poupée explosive, s'il te plaît. Tu seras bien aimable ou bien gentil. Ah, rabat-joie, elle est toujours là quand il faut pas. Bon, on va faire un petit coup de trampoline en attendant qu'elle arrive. Bonjour, regarde, je m'amuse avec ton trampoline. Hop là. Oui. Et oui, bon, allez, on va peut-être pas, hein. Voilà, merci. Allez, poupée, j'ai besoin de toi. Vite, vite. Poupée explosive, hop là. On peut pas l'utiliser, ah, il faut que je sois cachée. On va l'attirer par là. Hop, je vais me cacher ici. Et je vais l'utiliser. Hop. Bonjour. C'est moi. Lala. Boum. J'ai fait exploser la nonne. J'ai 90 secondes. Regarde. Ah. Mais qu'est-ce qu'elle... Non. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête. Mais oh, enfin. Mais pousse-toi. Pauvre nonne. Oh non. Bon, elle est pas super jolie, hein. Bonjour. Alors, est-ce qu'elle... On ne regarde pas sous la jupe des nonnes. Même la nonne psychopathe. Bonjour. Qu'est-ce que... Ah! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a la tremblote. Ah! Mais c'est horrible, elle a un cou de 3 mètres de long. Bonjour! Salut, ça va? Elle fait un peu flipper, hein. Alors, oh, je vais aller prendre la torche. Je suis un psychopathe aujourd'hui, c'est moi le psychopathe aujourd'hui. Je vais aller mettre le feu à la nonne. Oui, oui, oui. Je vais me venger de tout ce qu'elle m'a fait depuis tout ce temps. Alors, on prend une torche. Bim! On la met dans le feu. Bim! On récupère la torche. Et on va voir ce que ça fait. Non! J'ai un petit cadeau pour toi. C'est pour te réchauffer, c'est les derniers jours de l'hiver. Il fait froid, tu sais. T'es là? Oh, elle est là. Non. Tiens, prends ça. Hop là. Bah ça fait rien. Mais, oh, attendez. Et hop là. Mais là. Mais elle est invincible ou quoi? Non, non. T'es pas drôle, d'habitude. Ça fait rien du tout. Je suis complètement déçu. Alors peut-être que... Oh. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ah, ah. Mais elle s'est réveillée. Mais arrête, vilaine. Je voulais te mettre le feu, moi. Et toi, tu t'es réveillée. C'est pas normal. Allez, on va aller essayer de lui mettre le feu maintenant qu'elle s'est réveillée. On va recréer une autre petite torchounette pour notre petite nanounette favorite. Et hop là. Voilà. Facile de créer une torche. Alors, vous voyez, la torche, elle se consume petit à petit, donc on n'a pas beaucoup de temps non plus. Nan, viens voir. Tiens. Il rigolera bien qu'il rigolera la dernière. Ah, mais non, mais je voulais te mettre le feu, moi. Ah. Jour 2. Alors, on va réessayer la torche et ensuite, on va essayer de s'enfuir par la buanderie. Ouais. Je suis Momo et je vais être bon. Ah. Screamer. On va prendre la torche et au lieu de s'approcher de la nonne, on va essayer de lui jeter. De lui jeter tout simplement la torche à la face. Voilà, voilà. Ah. Aujourd'hui, je crois que c'est moi le psychopathe, hein, plus que la nonne aujourd'hui. Hein. Mais voilà, c'était un épisode un peu spécial Devil Nun. J'avais envie d'essayer plein de choses et il y a beaucoup de nouveautés. Alors, j'ai pas vu beaucoup de surprises de cette nouvelle mise à jour. Il disait qu'il y avait des surprises. Bon, bon. On verra à l'extérieur s'il n'y a pas des surprises. On a pas. Ah. Qu'est-ce que tu faisais là? Bon, 1, 2, 3. Elle a pas apprécié. C'est une petite nonne grillée. Ah. Ça n'a pas duré longtemps, son petit coup. C'est vite. Attends, il y a encore un peu de torche là. Hop là. Mais prends-la. Nonne, t'en veux encore? Quoi?
n'a pas marché. Au secours! Ah! On va aller voir dans le cimetière si j'y suis. Alors, il y a un petit raccourci. Non, pas par là. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés par ici? Non, il y a toujours les poubelles. Par là, c'est tout ouvert, mais il n'y a rien d'autre. Hein. Voilà, voilà. Ah, mais ça, c'est ouvert maintenant. Ben oui, on l'a ouvert l'autre fois. Ben, c'est sympathique. J'aime beaucoup cet endroit. Oui, j'aime beaucoup un cimetière de nonnes. Pourquoi pas? Ouais, après tout, hein, le dimanche, hein, chacun fait les balades qu'il veut. Qu'est-ce qu'on devrait essayer d'autre maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu voulais faire une pause pipi? Eh ben, tant pis, voilà. Hop là, et hop. Bye bye. On va aller dehors. Oui, mais elle est là. Hop. Et voilà. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans les toilettes? Quand même, au cas où, s'il n'y a pas la surprise qui se cache dans les toilettes. Non. On va voir dehors si j'y suis. Ah, la clé jaune. J'ai besoin de la clé jaune pour m'enfuir par la buanderie. Et oui. Et je n'ai pas récupéré la clé jaune. Et non. Et ça, c'est dommage. Alors là, il y a des graines pour le poulet. Vous savez quoi? On va d'abord chercher la clé jaune parce que on en a vraiment besoin pour s'enfuir par la buanderie. On recherche la clé jaune. La 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 la. Oh, ça me rappelle mon podcast sur Fort Boyard. Je vous le mets dans le petit pour si jamais vous avez pas vu mon podcast sur Fort Boyard. C'est sympathique. Alors, est-ce qu'il y aurait pas une petite clé dans les toilettes? Oh, la porte, hein. Bonjour. Non. Ici. Non. Non. Pas de clé. Moi, je veux la clé. Là-bas. Évidemment, c'est verrouillé, hein, on le sait. On va regarder dans le secrétariat. Généralement, hein, là-bas qu'on garde des clés. Ça. Mais non. Mais laisse-moi tranquille. Regarde, hop, je saute par là, et toi tu fais quoi? Tu fais quoi? Et bah t'es vénère, et tu peux pas passer par là. Sauf que tu peux passer par la porte. Non, 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 en fait, je rigole, viens pas par la porte. Ha! Et maintenant je suis là! Tu fais quoi? Tu fais quoi, la nonne? Viens de l'autre côté, d'accord? Et bah moi je fais ça. On peut jouer longtemps à ça, hein, si tu veux. Y'a pas de clé jaune. Ah! 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 Mais on va chercher la clé jaune par là, hein. Ici, est-ce qu'il y a la clé jaune? Non. Ici, oui! Non! C'est un bas! Non, je suis coincée! J'étais coincée. Et elle m'a tapé. Méchante! Pas grave, on va rechercher la clé jaune. On a encore 3 jours, hein, pour tenter de s'enfuir par la buanderie. Ah, je suis toujours Momo et je vais toujours être bon. Sauf que là, maintenant, j'ai vraiment besoin de trouver la clé jaune. Hein? Le Graal. Bonjour, Graalounet. Bon, on n'a pas besoin de toi pour aujourd'hui, hein. Désolé, petit Graalounet. Ah, le balai. Pas là, non. On va aller par là. Merci, au revoir, par ici. J'ai regardé partout, y a pas de... Ah non. Tiroir. Non, c'est pas ici. On va aller voir en haut. En haut, on n'a pas été voir en haut. Vous savez, là où il y a le truc démoniaque, là, le squelette, un petit peu squelettinou. Après, il y a aussi la cuisine. Il y a d'autres endroits dans la cuisine où on n'a pas regardé. On va éliminer les pistes. Les balles de tennis. Non, merci. Là-dedans, il n'y a pas. Tac. Ici, il n'y a pas de clé jaune. Là, il n'y a pas de clé jaune. Pas de clé jaune. Pas de clé jaune. Pas de clé jaune. Quoi? Pourquoi je t'entends? J'ai pas envie que tu viennes. D'où? Voilà, oh, là, 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 là. On va passer par là. Voilà. Salut, salut, salut. Hop, hop, hop. On va passer par ça, là, les couloirs, les entrailles de l'orphelinat. Voilà. Je sais jamais par où aller. Je me perds à chaque fois. Non, un cul-de-sac. Ah, on n'a pas envie d'être dans un cul-de-sac avec la nonne. Non, non, personne n'a envie. Je suis désolé, c'est pas un but dans la vie d'être coincé dans un cul-de-sac avec une nonne psychopathe à ses trous. Poulet, le poulet m'a fait flipper. Mais ça. Vous m'avez dit que je pouvais aussi mettre le feu au poulet. On va peut-être essayer. En attendant, là, il n'y a pas de clé. Ici, là-dedans, il n'y a pas la clé. Il me manque juste des petites clignounettes. Oh. Ah, ah, là, 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 là. Merci, mais non merci, hein. Quelle méchanceté. J'ai eu très très peur. Ah, je vais mourir aujourd'hui. C'est prévu. Qu'est-ce qui se passe? Où est la clé? Hein, d'habitude je la trouve tout le temps, j'en ai jamais besoin. Aujourd'hui, j'en ai besoin, je la trouve pas. On va aller voir dans la cuisine. Nous avons des endroits ici. Et là, par exemple, il y en a pas de clé jaune. Par ici. Et ben non, il y a un numéro de téléphone. Ceci dit, on va peut-être appeler, hein. On va quand même observer dans les autres tiroirs, voir s'il n'y avait pas la clé jaune. Non. Ouais, la clé jaune, la clé jaune. J'ai fait du bruit, la nonne va arriver. Tu vas venir ou pas? Non, c'est pas dans la salle de bain qu'on va appeler la buanderie. C'est ici. Et on appelle. Décrocher. Vous avez appelé la voiture. Elle est déjà en route. Ça, c'est cool. Allez, on jette ceci. Et on va chercher la clé jaune qui est en haut. Espérons qu'il n'y ait pas la nonne. Non, tant mieux. Merci. On descend dans la buanderie en faisant plein de bruit parce qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur de la nonne. Non, non, non. Évidemment que non. Voilà. On y va. Quoique, attendez, j'ai ouvert par là. On peut pas sauter par la fenêtre qu'on vient d'ouvrir? Non, on ne peut pas, hein. On va y aller plutôt. Ah, voilà, voilà. Allons, on y va. On va dans la buanderie. Voilà. Tu vas dans les égouts. Par là. Voilà. Ouais. Wouhou.
C'est Aqualand. Bon, Aqualand dans les égouts. Bonjour, Nan. Oh non, elle m'a vu. Et du coup, elle s'en va. Oh bah non. Il fallait être plus discret que ça. Peau de peinture. C'est ça que vous m'avez dit de faire, de mettre la peinture sur les vêtements. Sauf que maintenant, elle est partie. C'est dommage. Nan, qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi passer, laisse-moi passer. Oui, elle m'a laissé passer. Alors, est-ce que la voiture va revenir d'elle-même? J'aimerais bien qu'on essaye de faire écraser la nonne, pour être marrant. Après l'avoir brûlée, l'avoir fait exploser, on va la faire s'écraser contre la camionnette. Sauf que la camionnette ne vient plus. Oh, une petite fontaine d'eau qui sert à rien. Bon, la camionnette ne revient pas, c'est un petit peu embarrassant. On va plutôt rappeler la buanderie, hein, on va voir si en la rappelant, elle va venir tout de suite. Non, c'est oui, mais comment je fais, moi, maintenant? C'est ouvert par là? Si je reste là, normalement, elle me voit pas. Non, passe par là, passe par là. C'est pas grave, on va rappeler la buanderie, on va attirer la nonne, on va essayer de faire quelque chose de sympathique. Jour 4, il me reste de vie, je suis Momo et je vais être bon. C'est ça, ouais. Bonjour Momo, au revoir Momo, on va rappeler la nonne, enfin la bonne nonne. Voilà, elle est déjà en route. Maintenant, on y va, on attire la nonne, on va dans la buanderie. Non. T'es où? Tu m'as vu? Voilà, viens, regarde, viens me voir. Je vais à la buanderie. Youhou, oui, Aqualand dans les égouts, numéro 2. La blanchisserie, elle est là. Elle dort? Elle fait dodo. Ah, ça sonne. Mais ça va la réveiller? Oui, elle va chercher du linge, ok? Et comment on attire l'autre nonne? Attendez, je vais prendre le pot de peinture dès que j'en ai l'occasion. Voilà, voilà. Moi, je prends le pot de peinture. Ouais, elle m'a vu. Non, mais t'en vas pas, mais j'ai besoin de toi, moi. Je me suis encore fait avoir. Oh, on va l'éviter quand même, hein. Bonjour. Salut. Il faut garder un objet dans les mains pour faire du bruit, pour attirer la méchante nonne. C'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti. Je vais rappeler la buanderie. On appelle. Allô. Nonne. Youfou. Je suis ici. Bien. Youfou. Aqualand numéro 3. Ouais. Hop. On fait du bruit pour attirer notre méchante nonne. Hop. Allez. Méchante nonne. Méchante nonne. Je suis là. Méchante nonne. Pourquoi elle vient pas à la méchante nonne? On a besoin d'elle. Elle est là, méchante nonne. Et maintenant viens toi, viens me voir. Et maintenant l'autre faut qu'elle démarre. Démarre. Ah. Démarre. Démarre. Vite, écrase-la. 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 Oui, oui, oui. Ah. Oui. Elle a écrasé. Coucou. Oh, elle bug. Tu t'es fait écraser. Ouais. Wouhou. On a martyrisé la nonne. Elle bug un peu, hein. Ça va? On dirait qu'elle fait de la techno là. Bon, je crois qu'on l'a assez martyrisée pour aujourd'hui. On va pas s'enfuir, on va rester avec elle. On s'enfuira la prochaine fois. Ouais. Alors c'était un épisode très spécial et très marrant de Evil Nun. On l'a martyrisée de toutes les façons possibles. On l'a fait exploser avec la poupée, on lui a mis le feu, on l'a fait s'écraser par la camionnette. Voilà, je pense qu'elle a eu son compte. On s'est un peu vengé de tout ce qu'elle nous a fait subir tout au long de ses autres vidéos. La prochaine fois, j'essaierai le mode practice, le mode où elle ne nous voit pas, parce que vous avez été tellement nombreux à me demander de faire ce mode. Et en même temps, j'essaierai de m'enfuir par le van en mettant le pot de peinture, tout ci, tout ça. Dites moi ce que vous voulez que je fasse d'autre dans Evil Nun, et bien dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un max de likes, abonnez-vous et partagez cette vidéo à au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.